les amis téléspectateurs, dans le cadre de la couverture que Allen TV a baillé pour l'occasion 12 janvier, nous trouvons dans la City of Miramar avec le meilleur Wayne Mason. Mayor Wayne, you are here helping to remember January 10, January 12, 2010. So this is the seventh year, and this is the year also that the city of Miramar has taken the initiative to remember those who died on January 12, 2010. So what motivated you with the city commission to put this event together? Well, you know, the city of Miramar, having a very large Haitian community, we wanted to let the community know that we care about the country of Haiti and those who lost their lives at that event. Personally, going to Haiti many years, even before the earthquake, setting up medical missions with my church, I have a special, you know, affinity towards the island. And when I heard about the earthquake, we were in Patientville and understood that even the hospital there had sustained damage, where we actually were doing surgeries. It really hit us personally. Going there just last summer, I bring my daughters back too, so we go back on missions to Haiti. So it's just natural for us here in Miramar to help out where we can, because we have a very strong Haitian community here. A lot of lawyers, doctors, attorneys, educators, and they always help the community. So we wanted to have an event where the community can come together to remember that event, and to also raise money, to raise supplies, so that we're shipping 3 containers back to Haiti, which is needed for some of the impacted places that were impacted by the recent hurricane. So we understand that that we have a direct line to Haiti, and we want to make sure that we can do whatever we can to be a lending hand. If you have a message for those who have lost their families during the earthquake, what would it be? Just know that we remember your loved ones. We remember your families. We remember your families that are in Haiti, who may not be here. We understand that to lose a loved one is a devastating thing to do, to experience. And do know that we remember your loved ones, and that's why we're having this event. To in honor of their memory, so that the community can come together and remember your loved ones. So we're just so happy that everyone came out tonight, and those who contributed money and contributed supplies, that it's going to go to a great effort, and we will always keep Haiti in our prayers. All right, voilà, téléspectateurs, c'est Commissioner Darlene Ray qui est avec nous. Et dans l'occasion 12 janvier 2017, côté que dans la City of Miramar, il a célébré en façon pour être capable de songer les gens qui étaient morts dans le tremblement de terre 12 janvier 2010. Commissioner Darlene. Merci. Comment on sent aujourd'hui? Moi, fier. De moi Haitian American. Vous comprenez, moi fier, moi remercie bon Dieu pour l'opportunité pour être les femmes commissionnaires ville ça. Et moi aujourd'hui à les femmes commissionnaires ville, pas seulement pour m'aider mon Miramar, mais pour m'aider culture. So, ça sont en partie, deuxième partie, nous collectons un paquet de bagages pour nous voyer à Haïti, pour nous commencer l'école, pour nous faire clinique, pour nous clean l'eau. Il y a un monde qui fait quoi, moi, il y a un paquet de generator pour nous. N'a fait différence là. So, nous faisons ça pour nous changer, pour nous pas oublier, pour nous aussi vivre ensemble, pour nous aider l'autre. Ce sont bons bagailles. Et puis, où sont-tu à prendre danser là, tout à l'heure? Merci pour le son, oui. Merci pour le son. Mais nous avons des talents là. We are an amazing people. We truly are. God has truly blessed us with so much talent. So I think we just need to just have a revival, come together and just love one another and help one another. So I'm glad to initiate it, to be a part of it. So thank God for the opportunity. Okay, pour un premier event comme ça, pour songer mon qui est mort le 12 janvier 2018, c'est comment vous trouvez, quelle satisfaction vous gagnez par rapport à la réponse publique là? Mais bon, et deux parties nous fait ça. C'est une partie pour nous mettre tout le monde ensemble. L'autre partie, nous avons 3 gros containers que nous devons être en plein. Une plein à l'eau, un memorial. L'autre là
plein avec rad avec supplies et puis gon trois cliniques capable fermer capable bay nous supplies pour nous commencer clinique Haïti. Non, non, on voulait parler de monde qui répond pour invitation aujourd'hui. Oui, regardez tout le monde qui est là. Nous avons besoin de 6 heures, mais nous connaissons toujours en retard. Donc, on a tout le monde commence à venir, grâce à Dieu. Nous sommes bien contents, tout le monde vient. Nous avons tout le lecteur de fichiers là. Nous chargeons. Support nous gagne, nous devons faire énorme avec support. Nous chargeons, chargeons support. Nous sommes très contents, tout le monde vient pour changer juste ça et pour ne pas oublier. Et si vous avez un mot d'encouragement, il y a des gens quand même qui ont perdu famille dans le tremblement de terre là, il y a des gens tout qui sont victimes, qui jusqu'à présent eux-mêmes c'est des rescapés de tremblement de terre. Si vous avez un mot d'encouragement pour eux-mêmes, c'est qui ça le travail? Bamdou, moi je crois que God is in control. Vous comprenez? Tout va arriver pour une raison. Quoi que c'est mal, c'est bien. God is in control. Moi, quoi ça? Donc, moi, toujours prier, à nous prier pour l'autre. Prends courage et then lance sous nos positions car aider au monde, aider au monde. Moi, quoi ça? Moi, garder pour moi qui mon bon Dieu voyait dans pas moi pour m'aider. Donc, aider l'autre. Moi, toujours prier pour tout le monde. Si besoin, fais nous connaître pour nous continuer à aider l'autre. Et pour ça, nous là. Oui, téléspectateurs de Highland TV, nous sommes avec nous, Hugues Montauban, qui est un représentant de consulat haïtien à Miami. Hugues, ça c'est City Miramar qui a organisé un night vigil pour songer les gens qui sont morts dans le tremblement de terre 10 janvier. Comment trouver l'initiative là dans le monde qui est représentant consulat haïtien à Miami? C'est une initiative que nous prenons à deux bras. Ouvert parce que nous songeons jour ça 12 janvier ça représentait pour nous mêmes comme haïtiens et tout dégâts tout monde que nous gagnons qui disparaît dans passage tremblement pas dans notre tremblement de terre ça donc pour nous mêmes c'est un jour spécial qui pouvait nous songer famille nous amis nous frères nous soeurs nous haïtiens qui étaient tombés dans pendant le tremblement de terre ça. Mais c'est qui appréciation de consulat le, ou trouver que des étrangers ou même tout ils ont senti que ils motivés pour capable mettre en yvette comme ça camper sous pied. Oh, nous pensons que son bagage qui est extrêmement important parce que nous voyons que c'est une sorte de solidarité pour nous mêmes parce que là nous avons un problème nous voyons que l'autre monde étranger qui campait avec nous et que non seulement camper avec nous mais qui organisent des activités qui permettent que nous sommes capables ensemble et rappeler nous de moment ça. Moi, nous pensons que au niveau de consulat, nous pensons que c'est un bagage qui est extrêmement important pour nous. Donc, nous en janvier, deuxième semaine de janvier, ce n'est pas encore trop tard. Et c'est qui veut ou la communauté haïtienne de la part du consulat haïtien? Veux-nous, l'issimple. L'issimple, c'est que. Nous tous ces Haïtiens, Haïti c'est pour nous. C'est pour nous continuer à vivre. Même Jean Sept nous a dit, l'union fait la force. Donc c'est pour nous continuer unis nous. C'est frère Axel Nouye. Donc sans union ça, que nous ne pouvons pas le faire. Donc c'est frère Axel Nouye, il faut que nous mettions ensemble. Donc Haïti devant. Donc depuis Haïti devant, c'est Haïti devant. Aujourd'hui, à 12 janvier 2017, nous trouvons exactement dans la zone Miramar, côté que nous avons event. Qu'a fait pour en un mot songer monde qui est mort dans le tremblement de terre de janvier 2010. Donc nous gagnons avec nous pasteur Moïse. Pasteur Moïse ou si me rappelez moi ou c'est premier pasteur dans la zone là, premier pasteur haïtien qui ouvrit l'église dans la zone Miramar. Donc c'est sous invitation qui est ce là soir. Moi venir là sous invitation commissioner Darling Riggs. Comme vous faites dire, nous avons 28 ans d'existence dans la communauté Miramar. C'est pasteur de l'église missionnaire de Pembroke Wood, plus ancienne église haïtienne dans la communauté. Okay, dans la perspective religieuse, comment un monde qui est victime d'un tremblement de terre, ou bien qui est monde qui mourit, ou bien qui sont rescapés de tremblement de terre, comment vous pensez que Mounsa lui-même est capable de jouer un confort dans mon Dieu? Bon, depuis les temps anciens, les nous dans la Bible, ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament,
n'a servi un Dieu qui relait tête li Jéhovah Jahwa, le Dieu qui pourvoit. Nous remarquons dans pile circonstances dans la vie ça, lorsque l'homme n'a pas une réponse pour ces de grandes questions telles que question la vie humaine, yo kon assez souvent tourner regard yo vers bon Dieu. Et c'est ça qui vivait en Haïti. Lorsque après on cataclysme comme ça, ou remarquez des moun qui amputé sans pied, sans main, yo perdu un limb quelconque, en ben moun sa li même unique force de secours, c'est l'elle tourner regard li vers les montagnes. Côté bon Dieu qui côté li capable joindre tout secours. Donc l'Éternel toujours une voie de recours pour tout monde qui est en détresse. C'est ça nous capable dire. Donc, un mot d'encouragement pour les téléspectateurs. Bon, ça nous capable de dire, comme ils vivent sous Jésus, même les autorités, les politiciens, ils n'ont pas vraiment réponse. Yo. Mais qu'on est que l'Éternel des armées, le Seigneur Jésus-Christ, il est toujours un mot pour les gens qui sont en détresse, pour le pays, pour la communauté qui est en détresse. Donc, nous avons toujours dit tout le monde, restez positif. Qu'est-ce que vous avez sur le Seigneur? Assurément, que vous avez dit à Haïti pour réellement ressusciter de ces tombeaux. Mes amis téléspectateurs, nous avons rencontré avec plusieurs personnes. Nous avons rencontré avec magistrats, nous avons rencontré avec commissionnaires, nous avons rencontré avec pasteurs. Mais nous pouvons rencontrer avec les gens qui permettent que l'événement soit organisé. C'est Dr Nelson avec Dr Gédéon, lui-même qui fait partie de Memorial Regional Hospital. So, Dr. Gédéon, Dr. Nelson, Dr. Gédéon, qui raison qui pousse nous pour une initiative pour sponsoriser l'event ça aujourd'hui? Bonsoir, et je vous remercie tout le monde qui a écouté, qui a regardé. Memorial Health System, qui a une mission qui dit que their mission is to take care of the community. Communauté haïtienne font grand partie de la communauté South Florida et South Broward. Là. Et 2010, là, nous n'avons pas oublié ce qui est passé. Et c'est avec un grand cœur ouvert que Memorial est prêt initiative pour essayer de sponsoriser l'événement. Ils ont fait ça par des cartes et fait don from the hospital pour envoyer quelques supplies, medical supplies en Haïti. Et il y a même des cas d'employés mémorial qui même volunteer heures de travail pour l'hôpital là by heures ça yo comme frais comme cop pour être capable faire fundraising pour Haïti. C'est très important pour nous continuer à supporter la communauté haïtienne ici et en Haïti parce que c'était un grand problème et qui était gagné en 2010 là et le pays a toujours continué à souffrir. We're still recovering from the earthquake. Vous voulez ajouter, Dr. Nelson? Yes, but vous connaissez que depuis Haïtien, même si que vous quittez Haïti, Haïti a toujours l'ensemble, toujours. So, nous-mêmes, jeunes garçons, boy, ici que nous t'avons levé Haïti, nous venons de boy, ici, nous voyons que c'est propre travail par nous, que depuis nous qu'a aidé, il faut faire tout ça en café parce que c'est nous-mêmes Haïtiens qui vous aider nous. C'est ça qui fait que nous-mêmes, le mémorial, moi avec Dr Gédéon, avec quelques autres docteurs, nous organisons quelques missions que chaque juin, dans l'Haïti, nous allons aider les gens qui besoin d'aide. Autant que l'année passée, nous avons pillon, que nous avons fait une mission trip, nous avons fait une semaine, que nous avons toute aide que nous sommes capables. So, chaque année, nous avons fait plaisir nous. Que pour nous à Haïti, que pour nous remettre pays à que ça a été fait pour nous. Right. En tant que deux jeunes professionnels, nous quand même pas écarté nous de la vie politique d'Haïti. C'est pas parce que nous avons fait politique, mais qui s'en d'arrêt, mais ouais, qui fait pour, disons, améliorer la situation monde en Haïti, spécialement au niveau santé et puis au niveau social. Good question. Je ne vais pas entrer dans la politique vraiment, mais ce n'est pas nous pas éviter. Et nous toujours dit en Haïti que nous avons une tradition, côté nous toujours penser de tête. Non. Les gens qui entrent, les gens qui montent dans le pouvoir, soit président, sénateur, ça y est, ils toujours penser de tête. Et je vais ouais que nous penser de l'autre. Nous ne pensons pas de poche, nous ne pensons pas de nous-mêmes seulement, nous sommes des pays
the country must come first. We have to put the country first and the people. Donc, that's what I would like to see. Et au niveau santé, qui sont à MMWE qui réalisent dans le pays? Parce que si on a un problème dans le pays, c'est ou bien la Saint-Domingue, ou bien la Cuba, ou bien les dégager la Colbo ici. Donc, à ce niveau, qui conseille ou la MMBAI à moun qui n'a pas pouvoir Haïti ou bien à Haïtien même qui a une opportunité pour aider dans le domaine ça? Ce sont très belles questions, ça. Mais vous connaissez que. Dans la vie, on monde et santé qui est plus important. Après santé, c'est éducation. Après éducation, on se travaille. So, trois bagages, ça yo, c'est yo même que pour pays à développer, pour pays à avancer. So, trois bagages, ça yo, c'est yo même pour nous focus sur en plus. So, moi que ce pour santé, il faut nous focus que de jeunes yo tap levé qui pral l'école. So faut d'aller pour ta ouvrir on pour ta investir plus dans en éducation. Ouais, moi après ça que pour nous focus plus sur travail, après ça paye à ça marcher parce que grand pile jeunes vrai qui levé Haïti, yo intelligent, bon yo pas gain opportunité pour yo apprendre. So et ça me dit mais ouais que nous focus sur trois bagages ça yo. Ouais, et santé c'est éducation travail trois bagages ça depuis nous en forme.